m'espérer vraiment. Moi espérer vraiment que gen FBI la souterrain. You ne m'a pas tiré attention nous. Mettre Doval tape mes nos batailles pour affaire constitution. D'accord. Ouais. OK. Qui bon mettre Doval faire étude lui? En France. En France. Suivez mon regard, madame, monsieur. Mette Doval mourir, il a assassiné le FBI débarqué dans le pays. Même côté, le service secret français débarqué dans le pays. Suivez mon regard. Donc, ça, qu'à comprendre, comprendre. Je dis, je pense que le trop bonheur, parce que, ouais, dossier constitution, comme je parle de l'IA, m'a fait un petit sur lui. Ma fonti campé sous lit. Mais à partir de éléments que je mettais sous table là, ou même qui ça ici un pays, elle mène une propre enquête pour elle. Elle garde éléments que je mettais sous table là. Mette Doval, Negla Tibonite, les bonnes formations en France, ils sont docteurs en droit constitutionnel, ils font doctorat en droit constitutionnel en France. Il tape travail sous question changer constitution dans le pays. L'homme nous sorti. Yo assassiné, même côté FBI débarqué dans le pays. FBI unique débarqué, même côté service secret français. Débarqué dans le pays sous même cause là. Suivez mon regard. Nous avons eu le téléphone, nous avons fait parler. Mais vraiment, matin débat, ça m'a pas cabane, ok? Mais tu baptises un papa, non? Elle dégage, nous fait recherche par nous. Parce que pas oublier que, il y a des informations que nous avons là qui ont entravé. Donc, on peut faire des bagages. Que la justice fait travailler lui-même. Mais comme nous-mêmes, c'est analyse, n'a pas analysé. C'est pas d'homme sous route hier. Je suis sorti gros monde et puis, je suis essayé de mettre sous table là. Tout plusieurs lieux. Et puis, je me dis, je ne comprends. Ok? Et puis, je me dis, je ne comprends. Pendant ce temps que le pilote qui est dans le pays, il y a un massacre à gauche, un massacre à droite qui fait dans le pays, ou j'aime dans des FBI débarqués, ou j'aime dans des services secrets français débarqués. Même quand il y a un étranger même qui est mort, américain qui est mort, oui, assassiné. Américain assassiné en terre là, FBI qui est débarqué. Ils sont venus, ils font composer avec des CPJ juste pendant quelques jours, et puis c'est fini. Ok? Donc, éléments, ça me mettait sous tabio, dégagez-nous, donc nous-mêmes, nous devons nous. Donc, n'a produit propre réflexion par nous. Mais analyse sous constitution que m'annonce me dit nous que sous question constitution gien l'autre parole pour nous parler avec nous. Donc nous quitter le pour devant donc n'a prétendre que justement enquête là abouti pour nous capable faire analyse. OK, gien 4 monde qui dans prison dans pénitentiaire nationale. Est-ce que c'est 4 monde ça seulement? Maintenant, écoutez madame monsieur. Gien 4 monde qui écroué au pénitentiaire national. Ils avaient agi pour qui? Ils ont assassiné M. Doval sur quelle recommandation? Fond dans nous là, parce que il y a un auteur. Non, mais il y a mon gars qui prend ça. Non, parce qu'en aucun cas, 4 personnes ne savent pas agir pour contre vous. En aucun cas. Moun sa même quoi qu'on fait M. Doval bien même. En aucun cas, moun sa yo pas agir pour contre vous. Gon moun qui te dit assassiné M. Doval. Gon moun qui te bat en l'ode. Il y a un monde qui te baille au lot pour ça. Maintenant, on a prêté pour nous. En tout cas, le pays d'Haïti, n'a pas songé son pays qui là, qui a fait éducation petit lit, qui a bâti petit lit, qui a construit petit lit, pour le manger après ça. Donc, justement, basé sur le texte de l'économiste Thomas Lalim, dans la sécurité en Haïti, n'est-il pas celui de l'ambassade américaine? Quel est donc l'avenir de cette police? Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin-Débat. Haïti politique, dossier élection. Comment comprendre le dernier tweet de l'ambassade américaine? Haïti politique,
dossier élection. Comment comprendre le dernier tweet de l'ambassade américaine? Madame, monsieur, c'est ensemble de points à clôt. Nous allons faire débat sur eux, nous allons faire discussion sur eux, nous allons faire commentaire sur eux, nous allons analyser ce vendredi 18 septembre 2020 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 5.5, également sur toutes les stations de radio. Relayant cette émission pour faire également au niveau 2, la diaspora haïtienne sur les pages officielles, Matin Débat officiel sur Facebook, Matin Débat officiel sur YouTube et sur la page RINSA sur Facebook. Bon vendredi, bonne journée, bonne écoute à chacun de vous. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, jeudi, c'est vendredi 18 septembre 2020 et Esaïe César a relé sous téléphone Josué Lexidoa. Ok, parce que c'est pas maintenant pas fonctionnel. Ok, donc jeudi, c'est 18 septembre 2020. C'est dernière sortie, émission Matin Débat, donc pour cette semaine. C'est dernière émission, donc pour cette semaine. Et jeudi encore, donc nous allons garder, donc actualité. M'espère que jeudi, et mon capteur d'émission Matin Débat, nous tendez le tête frette. Sans fanatisme. Ok, nous allons tendez le tête frette. Sans fanatisme. Ok? Ou quand ils sauvent les deux Matin Débat, mais jusqu'à présent, Matin Débat, et parmi les émissions objectives, et dans le pays, nous sommes la donne. Parmi les meilleures émissions. Ok? Nous sommes la donne. Et c'est pas nous qui avons dit lui. Et au cas où ça tout, donc tout côté. Tout côté. Ok? Il y a des fois, il y a des responsabilités qu'on prend dans la vie qui coûtent cher. Ouais. Il y a des fois, il y a des responsabilités qu'on prend dans la vie qui coûtent très cher. Il y a un journaliste qui parle dans la radio. Ouais, comme si il n'y a pas critiqué ou bien il n'y a pas attaqué. Moi, je connais que le journaliste n'a pas pris la responsabilité. Par contre, journaliste sérieux qui a parlé dans la radio, qui prend responsabilité pour ne pas attaquer. Donc, c'est le prix à payer quand même. Aujourd'hui, hein, tendez Matin Débat avec tête frette sans fanatisme. Esaïe César, comment nous est? Pour le connaissir, bonjour à tous les amis auditeurs et auditrices de radio Télé Éclair. Le connaissir, eh bien, nous avons fait la vechaud de Sazan, même pas bon, mais tout le monde est net. Tout le monde a demandé pour baisser tête aux 10 cloches, parce que à travers le pays, et vous faites ça qui, ça que un pile de monde qui est moins nommé ou pas fait. Donc, c'est une belle initiative selon plus d'un, et ils ont demandé pour que, au Québéla, et ils ont demandé la Vierge, ils ont demandé les saints, les anges, et ils ont demandé Guinée, pour qu'on va faire un ferme, pour qu'on va continuer à faire à la barre. Nous, qu'on désire, et faut nous dire que, pays en boulatia, nous avons drapé d'abord Kafou, dans la zone Bisoto 6, côté, eh bien, et un groupe de jeunes garçons et jeunes femmes qui bloquaient la route là, qui donc, si on a besoin de passer, ou pas capable de passer sur la route là, gros camion de gaz, on ne peut pas passer pour le traverser, pour le gaz, pas capable, dans le moment où on n'a pas la voie là, c'est que jeunes garçons et jeunes femmes, ils ont gagné, ça nous est, ils ont rigolé, ils ont espace côté, ils ont supposé curer. Ok, il n'y a pas qu'un espace ça qui baille sous la rue, qui baille sous la route là, et bien rigole de ça, gros rigole, et nous capables de dire que il n'y a pas qu'un lit, et ça qui l'a cause que de l'eau avec un hier soir, gros la vie tombée, un peu le monde obligé de dormir de l'autre côté, quand ils font mis, quand ils ont mis, parce que quand ils ont envahi à l'eau. Donc ça c'est pour les problèmes non. Deuxième problème, nous côté de route là, envahi à tout. Il a demandé à côté ministre qui a oublié que le transport et communication, lui-même qui était connu, eh bouché en pile trou, l'élève communiste, il était directeur et départemental. Je l'ai dit à là, nous connaissons, zone Matissan, zone Kafou, envahi à trou. Clos envahi Matissan. Quand je me parle à là, deux pieds tombés dans le gros labou, et sous mon tombé, j'ai oublié de descendre, moi qui est tombé, m'oublié. Et chaque jour, bon labou, oui. Et faut avoir ça, nous connaissons, moi j'aime Belleville là. Ne m'en parle à la Belleville. Mais ben la pile, dans la mesure où ben j'en ai parlé à l'air, mais c'est mal compté net seulement qui envahit Matissan et zone ça yo, c'est yo impraticable. On devait en parler d'un terrain impraticable, mais c'est ça la parlé là. Matissan impraticable, parce qu'il n'y a aucune machine, tout blocus, un gros blocus, ça la cause que les gens qui parlent la province, les gens qui parlent l'hôpital, en difficulté. Nous connaissons, ZBT en deux secteurs démocratiques là. Ça passe.
information de dernière heure. Kelly Bastien. Oui. Eh bien, dans le collimateur du secteur démocratique, parce que selon Negio, l'État franchit avec Liné Baltazar, sous base, selon information, Blanc ou connaît que Kelly Bastien lui-même, c'est un nègre qui modéré, mais Blanc, elle est assemblée, modé Kelly Bastien pour capable de mener les négociations avec monsieur, eh bien, monsieur qui est au pouvoir. Mais il faut nous dire que Kelly Bastien n'est pas chita avec le président Boulka, mais selon information, Kelly Bastien est chita avec Liné Baltazar. Okay. Mais le fait qu'il mettait, pour en faire l'ombre dans le secteur démocratique là, parce que, eh bien, on va même si les rideaux parlent mauvais coup contre, par rapport avec règlement de, par rapport avec, eh bien, l'argent que certains mounes dans le secteur privé à tabac, pendant qu'ils l'ont là, pour être capable, eh bien, négocier, pour qu'ils soient capables au moins jeter Jovenel Moïse. Eh bien, faut nous dire que le coup, eh bien, bagage, ça a créé un gros débrouillard, côté, eh bien, je voulais le dire là, Kelly Bastien lui-même, à mettre caca sa tête dehors. Là, pour les autres amis, il y a parlé, mais là, il y a la grosse équipe de l'Union de Sécurité démocratique, qui mettait nos Kelly Bastien comme monde qui trahit lutte là. Mais ce n'est pas ça lié. Ça, il y a gardé, ce n'est pas ça lié. Et vraiment, c'est le Kelly Bastien lié. Et ce qui dit. Donc, ça t'avait dit que c'est Kelly Bastien qui a mené les négociations là, dans le moment, et pour l'opposition. Non, mais on n'a pas là. Alors, ça, bah, là, il faut rappeler. Ok, mais quand même, la rencontre a eu lieu entre Kelly Bastien et. Liné Baltazar, mais Kelly Bastien permettait Negio dans le secteur démocratique là au courant. Okay, mais on est partout, nous connaissons sur l'information. Monsieur était décidé pour que c'est monsieur Beaupré qui t'a vu premier ministre. Je m'étais arrêté de capable quoi il va d'abord. Sortim là. Ah, bon, attendez, nous connaissons, nous connaissons nous-mêmes d'abord. Ah, mais ça va être. Nego t'as souhaité que c'est à. Et Valère Beaupré qui vous t'a vu. Et Valère Beaupré qui t'a vu premier ministre. Mais je m'étais arrêté. Pas d'accord. Même les deux, il pas d'accord. Oh. Ok, mais nous y a là. Et vous, qui ont question là. Et pour Kelly Bastien, non, pas sous la double ministre. Kelly Bastien lui-même, eh bien, notre dernière négociation, lui-même, je ne sais pas qu'on finit accepter que pour le premier ministre. Mais, Blanc lui-même, qui a demandé pour Kelly Bastien mener les négociations, il voulait utiliser Kelly Bastien comme un facilitateur. Maintenant, je vous le dis là, dernier monde, en dernier parti politique, et qui soit en dehors du secteur démocratique là, qui en dehors du secteur démocratique là, qui est un parti modéré, qui t'a venu pas faire l'élection, et qui a pris la de ta peur pour que Blanc va arrêter visa. Alors on parle de leader politique. Mais non, derrière où Zek a bouilli entre, on nous dit, Chile Rido, Don Kato, Nenel Kassi, alors on nous dit que il y a plusieurs clans en dehors du secteur démocratique là. Gros clan qui gagne Nenel Kassi. Ok, André Michel, Major Michel. Clan ça même, clan dur, net là, qui a même fait le même l'argent entré. Maintenant, par rapport à la question de l'argent ça, Kelly Bastien lui-même m'a demandé compte pour expliquer exactement ce qu'il a fait avec l'argent, il a tabay, moun dans le secteur privé a tabay. Et, j'ai besoin qu'on ait exactement, Kelly Bastien t'a même connu, ça qui passe à l'argent là. Donc, quand on a besoin qu'on ait tout lui-même, ça qui passe à l'argent là. Est-ce que Negio dépense l'argent à bon escient? C'est quoi les gars sont fait là? Ça devient le coup de vie. Et par contre, qui est négatif dans le secteur démocratique, qui a démenti, c'est menti parce que. C'est quoi les gars sont fait là? C'est sa guerre là en dehors du secteur démocratique là. Donc, je veux dire là, un peu, on a posé question. Quand est-ce que M. Renlange pour enfermer Kai Nandelma, ok? Kai pour ce qu'on a secteur démocratique, on est venu. Mais son grand marron qui était financé PHTK dans l'élection, qui bat l'agenda. Donc, nous connaissons pas la marée, parce que monsieur dit avant qu'il n'a parlé de mobilisation, depuis qu'il y a l'argent qui a bail, faut que question l'argent vienne discuter entre nous toutes net. Qui d'autre? Il a parlé de Kelly Bastien, Evalier Beauplan, Nenel Kassi, Chile Rido, et il n'y a pas d'accord pour que son seul groupe moun, aussi qu'il y a un secteur démocratique, qui pourra discuter question avec l'argent, comment l'argent dépensé. J'ai même, vous connaissez, nous l'argent qui te baille, nous 200 000 dollars, nous dans le secteur privé des affaires là. Oh! Tu te baille 200 000 dollars américains pour te garder, eh bien, ramasser le cadavre pour jeter dans la rue. Oh! Et ça, c'est ça? Ah, vous connaissez, je ne vais pas mentir, nous, regardez, c'est 20 sous 20 en deux secteurs démocratiques là. Répondez pour moi, d'abri. 200 000 dollars que te baille, mais pour faire mouvement pays loc là, et puis marcher ramasser le cadavre. Peuple partout, ça que tu comptes faire en 94, on se le rappelle. Eh bien, l'argent ça, l'imagerie.
que l'université vexé du fait que l'État de gros sommes l'argent à bail et que c'est 150 000 gouttes de volé pour le nom, pas pour le port cap, non? 150 000 gouttes pour le nom, mais 200 000 gouttes. L'État de l'université, avec Don Kato, avec Yuri la Tortue, tant de ces gros l'argent qui bail, même niveau secteur démocratique là, monsieur vexé. Et là, ça fait. Faut nous attirer sur le coup. Pendant que ce cas parlait bien de Jovenel Moïse, Abgené Gilbert, bête. Gilbert, bête. Tout ça veut dire que, monsieur, après chef, en dehors de PHK, en dehors gouvernement, il n'y a pas qu'à gérer question G9 avec Fantôme 69. Donc ça veut dire que, il faut dire là, pouvoir en déroute, l'opposition en déroute. Maintenant, là,